C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cette parole biblique s'accomplit ce samedi 22 août 2020, une date inoubliable, non seulement parce qu'anniversaire de l'époux, mais surtout les plus beaux jours de la vie pour nos deux amoureux qui se sont unis et ont décidé de garder désormais dans la même direction jusqu'à la fin de leur vie. Nos amoureux sont Jacques Lumingu Luambote et Jacqueline Sontsa Tiodo. S'ils sont aujourd'hui unis, c'est qu'ils se sont rencontrés un jour. Retour donc sur la genèse de cette histoire idyllique. Premier jour, na monaka et plutôt ezalaki na centre de santé SNEL na betaki tour mais na lagi di moi te quoi. Na vandaki na collègue moko yé comme lagi di moi à l'école pesa moté on a rappé na tala ningi zalala quoi. Biso mi bal bien. Na santé loko moko kati na ngako. Ya makila nzote ningana. Ya un esprit moko kote lobela ngai o ezali kambo secret en zambe na mona na quoi. Nous avons beaucoup de temps dans le centre médical à Sénène, en ville. Nous avons dit que nous avons travaillé. Il y a un moment, comme tu es à Kao, tu es au Mekè. Qu'est-ce qui est arrivé pour que le Bélé la vérité? On a peine à trouver un bolam moko et à salanga ou bandana carrière. Peut-être à comprendre, t'es un mot sur le bureau. Il y a pasteur à Toms. Bolam oyo salie. Donc, il bite en disant mon amour, la corrézon à la salanga, la mon atteint une fois dans un zon. Ça n'a pas ses panais. À un moment.
Alors, qui sont nos deux mariés? Commençons par l'homme, Tokodian Dambisa. Son nom, Jacques Lumingu Luambote, né un certain 22 août. Jacques qui fête ses jours son anniversaire est le cadet d'une famille de 4 enfants. Fils de M. Joseph Masakani et de Mme Marie Koutsuikana, Jacques Lumingu est originaire du secteur Bindungi, territoire Massimanimba dans l'ex-district de Bandundu-Ville, province du Kwilu, de nationalité congolaise. Jacques a passé son école primaire à l'Épée Eli Mosantu. Au secondaire, il va fréquenter l'école Maranatha. Il y obtiendra d'ailleurs son diplôme d'état en biologie chimie. Jacques Luambote est infirmier polyvalent. Il exerce son métier au centre de santé de la Société nationale d'électricité SNEL Congo Central à Matadi. Il est également propriétaire gérant de l'établissement La Fidélité situé dans la commune de Mbouzi, ici à Matadi. Chrétien, Jacques sert Dieu en tant que président des protocoles à l'église Cité Fidèle à Christ Matadi. Comme tout homme, il a aussi ses préférences. Il aime se délecter des feuilles de manioc appelées pondou et du foufou avec un poisson comme accompagnement. Son divertissement préféré est le théâtre historique congolais. La couleur blanche est sa préférée. Quant à la musique, nous laissons les soins à Jacques de nous balancer ces terres musicales qu'il affectionne. Bon, toujours chanson préférée, ça, le pasteur a tombé ce titre à Bolamu Oyo Sali. On m'a Bolamu Oyo Sali. Yahweh, Yahweh. Olongi Mote Mananga. Et à un moment, na place là loba ya olongi motema na zoye manga moko na kata chamu ya yawe yawe so salongi motema nanga Venons-en à présent à celle qui a conquis le cœur de Jacques Lumingu. La plus belle, la charmante, la sublime dame de la soirée s'appelle Jacqueline Sonza Chiodo. Cette merveille de la nature est née à Mwanda un certain 1er octobre. Et comme son prince charmant, elle est la cadette d'une fratrie de 11 personnes, dont 7 filles. Fille de M. Victor Chiodo Dioko et de Mme Elisabeth Ndambunela. Jacqueline est originaire du territoire de Mwanda, dans l'ex-district du Bas-Fleuve, en province du Congo central, de nationalité congolaise. En primaire, c'est l'école Saint-Bernard à Mwanda qui l'a formée. Au secondaire, elle va fréquenter le lycée Mbwete Teyambu, où elle décrochera d'ailleurs son diplôme d'état comme son mari en biologie chimie. Jacqueline Sonza est graduée en kinésithérapie de l'ISTEM Kinshasa. Pour parfaire sa formation, elle va notamment aller en stage professionnel à Nzoa Salansani comme kinésithérapeute, puis au MCH. Pour l'heure, elle est femme au foyer au service de son amoureux de Jacques Lumingu. Sa couleur préférée est le bleu. Son aliment de prédilection est les feuilles de manioc, non pas avec du foufou mais avec du riz et accompagné du poisson, en l'occurrence le capitaine. Jacqueline aime se divertir avec les séries télévisées. La désormais Mama Lumingu a aussi sa musique préférée. Elle en fait la démonstration. Maï Kalamba, titre mon histoire. Naye liboso nayo, kosopande motema oyanga. Na loba oyo salelinga ye. Oyo salelinga eleki monene. Vraiment oyo salelinga donc ezamne makasi. Esengoleki makasi. Oyo salelanga eleki minene. Si Jacqueline Sonza est bien éduquée, c'est grâce notamment à ses parents, sa famille, mais aussi à son église, l'église catholique. Notre couple bénéficie de l'encadrement du couple parrain et en bénéficiera certainement pour plusieurs années. Il s'agit donc de M. Kali Walala et de sa chère épouse, Mme
Rose Vei Tondolo, dont le couple Jacques Lumingu est le deuxième à être parrainé. Voici donc la fin de l'histoire, mais le début d'une longue vie pour notre couple à qui nous souhaitons heureux mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Soyez bénis par l'Éternel et que le fruit de vos entrailles et toutes vos entreprises le soient aussi. Heureux mariage à vous, une fois de plus, Jacques Lumingu Sonza. Et bonne fête à tous.